Américaine à Bagdad, deux attaques ont visé les Américains en Irak. L'ancien chef d'état-major des armées commente la stratégie des États-Unis. Les médias, c'était feu sur Trump, décision irresponsable. On en a fermé d'âme. Si les Américains ne réalisent pas encore la gravité de leur acte, ils verront les conséquences de leur faute, non seulement dans un futur proche, mais dans les années à venir. Au cri de mort à l'Amérique, la défiance des parlementaires iraniens contre les États-Unis. Une escalade des mots, le ministre iranien des Affaires étrangères met en garde Donald Trump, viser des sites culturels est un crime de guerre. Sur Twitter, le président américain menace de frapper 52 sites en Iran en cas de représailles anti-américaines. S'ils attaquent encore, ce que je leur conseille fortement de ne pas faire, nous les frapperons plus fort qu'ils n'ont jamais été frappés auparavant. Car au lendemain de l'assassinat de Qassem Soleimani, tué par une frappe aérienne américaine à Bagdad, deux attaques ont visé les Américains en Irak. Les Américains ne réalisent pas encore la gravité de leur acte. Ils verront les conséquences de leur faute, non seulement.